J'ouvre les yeux, le jour se lève. L'orage gronde, une tempête dans ma tête se soulève. J'ai l'impression de vivre comme un drôle de rêve. Petit à petit mon souffle s'éteint, le crépuscule m'achève. J'voulais juste prendre du recul, v'là que je gesticule comme un funambule fatigué. J'ai perdu l'équilibre, mon esprit condamné, seul mes cordes vocales vibrent. Je suis un spectre, grotesque ou presque, que l'on séquestre dans ce monde. J'essaye en vain de m'évader, d'apercevoir mon reflet dans le miroir. Sans espoir, je ne me vois plus, je n'arrive pas à y croire, je n'endors plus, j'ai disparu. Quelle triste romance, immense est ma souffrance, aucune délivrance. Quel est donc le sens de ma présence sur cette foutue planète? Je suis témoin de cauchemars, ça m'arrache la tête. Je vois des vieillards suffoqués par peur du noir, peur de finir au placard. Et moi, à travers l'espace, je m'enfonce lentement. Des placés de carcasses transparentes inlassablement. Leur mort me hante, et moi j'entre les appartements lamentablement. Je suis qu'un courant d'air éphémère, un murmure qui meurt sous la détonation d'un éclair. Je suis qu'un courant d'air éphémère. Éphémère. Trouver ma place aujourd'hui dans cet univers. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Moi qui croyais à la vie après la mort, j'aimerais ne plus y croire. Je suis victime d'images illusoires. Toute une éternité à aérer les rues, quel triste sort. Même à les sorcelleries, je suis pas prêt de m'en sortir. Putain. Que vais-je devenir? J'ai revu mon enfance juste avant de mourir. Le cœur rempli d'ambition, dire que j'ai voulu conquérir la vie et ses plaisirs. Au lieu de ça, j'ai tout perdu sans laisser de traces. Inconnu au bataillon, un être de plus qu'on remplace. Ça me dépasse, mon corps n'est plus qu'un cadavre, un squelette pourri rongé par les vers. Ce qui me servait d'enveloppe repose au cimetière. Sinistre, la douleur qui m'envahit et qui finit par m'étrangler chaque nuit. Chaque nuit, c'est alors que je crie. Mais les hommes sont sourds, ils n'entendent rien, à quand viendra leur tour? Certains s'enrhument, d'autres fument, se parfument. Les inconscients, ils savaient que ma voix pourrait les sauver. Je suis la brume, léger comme une plume, dont les paroles pèsent telle une enclume. Même les blocs de bitume ne réfléchissent plus mon écho. Et les murs en des oreilles, ha, j'ai pas l'impression. Trop de pression, je reprends possession de mes moyens. Aucune hallucination, je les entends bien rire, ce sont d'anciens camarades. Ils se baladent, parlent de moi comme d'un malade. Je ne suis plus qu'un fantôme de mascarade. Suis-je donc maudit? Qu'est-ce donc fait pour être ainsi puni? Je lève les yeux vers les cieux et m'interroge. Le monde des nuages, gigantesque sarcophage. Ce tombeau interdit aux individus dans mon genre. De quel genre je fais partie? Quel genre de vie? Bon chic, bon genre, je crois pas. Je fais plutôt mauvais genre, dangereux. Je me suis engagé sur la mauvaise route. J'ai sans doute emprunté la mauvaise direction. Mon langage ne plaît pas au céleste rivage. Je ne prêche pas assez la bonne parole dans mes messages. Serais-je l'ange offrant parler qui dérange? Bien des personnes me trouvent étrange. Désire que mes paroles et mes propos se mélangent. En échange du silence, je pense être abandonné et oublié de tous. Le temps passe et m'engloutit. À chaque minute j'espère la chute. J'ai baissé les bras, j'ai perdu le combat. La lutte, je n'ai plus d'ombre. Ma demeure, les sombres décombres. Je n'aurais pas donné pour finir sculpture, que les gens m'admirent. J'aurais tout donné pour qu'on se souvienne de ma sépulture. Au lieu de ça, j'endure d'horribles supplices. Depuis le temps que je supplie, c'est dur, personne ne répond. Personne. Ne serais-je qu'une ordure de plus rayée de la nature? Je ne suis qu'un courant d'air éphémère, un murmure qui meurt sous la détonation d'un éclair. Je ne suis qu'un courant d'air éphémère, éphémère. Qu'un courant d'air éphémère, murmure qui meurt sous la détonation d'un éclair. Existe-t-il un paradis, un enfer? En ce qui me concerne, je n'ai plus connaissance d'aucun de ces lieux. Il m'a dit que Dieu était tout puissant et partout présent. Il était la lumière qui nous guiderait dans l'obscurité. La vérité, c'est pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a comme une vanne de courant.